Construite en 2600 avant Jésus-Christ, la pyramide de Khéops est la première et la plus haute des trois pyramides de Gizeh. Elle est orientée vers les quatre points cardinaux. Sa hauteur originale était d'environ 147 mètres, pour une base carrée de 230 mètres de côté. Elle est constituée d'environ 2 300 000 blocs d'un poids moyen de 2,4 tonnes. La grande galerie qui mène à la chambre du roi fait 47 mètres de long et 8,50 mètres de haut. La chambre funéraire du pharaon est située en hauteur et non plus en sous-sol, comme dans la pyramide à degrés de Djéser. On y accède par le couloir ascendant, puis par la grande galerie. Sous la chambre du roi, la chambre médiane ou chambre dite de la reine. On y accède par les couloirs descendants, puis ascendants. Une longue galerie descendante mène directement à la chambre souterraine, dite chambre inachevée. Au-dessus de la chambre du roi, cinq petites pièces superposées sont les chambres de décharge. Leur rôle serait de soulager le plafond de la forte poussée des pierres.